Ce sont des salons que l'on trouve désormais un peu partout au Royaume-Uni. Des bars à ongles où les gens viennent se faire manucurer. La police britannique a mené une opération dans plus de 280 de ces bars. Une opération d'ampleur pour lutter contre le travail clandestin. Une centaine de personnes en situation de séjour illégal ont été arrêtées à travers le pays, à Édimbourg, Londres ou Cardiff. Les emplois sans compétences ou avec peu de compétences attirent les gens qui sont au Royaume-Uni illégalement ou sont venus au Royaume-Uni exprès. C'est pour cela que nous nous basons sur des renseignements, ce qui nous permet de viser des secteurs de l'économie où le cas de travail illégal et d'exploitation sont répandus. La majorité des travailleurs proviennent du Vietnam. Un peu plus d'une douzaine de personnes étaient effectivement dans une situation que les autorités qualifient d'esclavage moderne. 68 commerces encourent aussi une lourde amende, près de 24 000 euros.